Bonjour, bonjour à tous, bon matin, joyeuse fête d'Halloween. Bon, on ne peut pas sortir, on est là, bon, on fait les déguisements dans la maison avec les enfants. Et puis on en profite. Carmen Sama, c'est dans cette même maison-là que j'étais quand je t'avais parlé. Ma vidéo, tu ne vas pas dire que tu ne l'avais pas vue, hein, parce que j'ai eu les échos. Il y a eu les échos. Quand on fait les vidéos comme ça, là, on a les échos. J'ai eu les vidéos. Par exemple, cette vidéo-là, aujourd'hui, là, elle est partagée à près de 800 partages. Et les échos que j'ai eu, tu avais reçu cette vidéo-là. Mais quand j'avais fait cette vidéo, qu'est-ce qu'on a dit? Laisse la petite fille vivre sa vie. Elle est jalouse. Pour parler comme les Québécois, j'ai-tu l'air d'être une femme qui peut être jalouse? Moi, j'ai dit que la seule jalousie que moi, l'impact que j'ai là, c'est sur mon mari. À part ça là, jalousie de ma camarade femme, je ne connais pas ça, ou bien jalousie d'un être humain, tout et tout. J'ai dit que je connais comment les riches souffrent en Occident. Donc, je ne peux pas envier quelqu'un qui a l'argent ou bien quelqu'un qui est plus riche que moi, bref. Donc, comme je dis, on a vu un poste, ne venez pas me dire ici, ah, tu te mêles, ça, allez-y sur tous les postes là-bas, où c'est là-bas, là. Allez-y, dis là-bas qu'ils se mêlent là-bas. Ne venez pas sur ma page ici, parce que ce petit commentaire-là, il y a déjà dépassé ça maintenant. Donc, dans ce poste-là, on a vu que tu as été, ça dit que victime, tu as raté, si on veut voir un assassinat. Parce que quand ils sont partis là-bas, là, c'était pour te faire du mal qu'ils sont partis là. Dieu seul sait comment ça pourrait se terminer. En tout cas, selon ce qu'on a vu, tu as pu fuir avec la petite Rafna. Dieu merci. C'est ce que je te disais, ma fille. Je t'avais dit que ce pays qui est là-bas, là, avec tout ce qui t'est arrivé, prends ta fille tranquillement. Tu vas aller te sécuriser quelque part. Je t'avais dit ça. Attends, viens m'asseoir. Mais quand il a dit ça là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils avaient dit là-bas? Oh, laisse la petite fille vivre sa vie. Non, 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 non. Voilà ce qu'il avait dit là. C'est ce qui est arrivé. Hein? Dans mon dialecte là, il y a un proverbe qui dit, ça veut dire que ton huile là s'est descendue maintenant. Ça veut dire que tu as pris conscience de par le malheur. C'est passé par le malheur. Comme on dit en bon français, à quelque chose, malheur est bon. Le malheur aussi, là, ça aide à prendre de bonnes décisions. Si tu as pu fuir et puis aujourd'hui tu es caché quelque part, Dieu merci. Quand tu faisais Mère Noël, je ne vais jamais oublier ce poste-là. Mère Noël, les appréciations, maman Carmen, maman chinoise, tout et tout. Il y a une seule femme qui a fait un commentaire pour dire, mais tu ne vas pas prendre ta fille pour aller te mettre quelque part avec tout ce que tu as eu. Qu'est-ce qu'on a dit sur cette femme-là? Sous son poste, ça, c'était que des injures. Voilà aujourd'hui. Les événements nous ont donné raison. Vraiment, je peux imaginer la frousse que tu as eue. Je peux imaginer vraiment comment ça a été une grande peur comme ça pour toi. Mais où tu es parti là, reste là-bas tranquille. Essaie de te faire oublier un peu. C'est pas mauvais, tu es jeune, on le sait. Même si c'était ma prof qui a accouché de mon ventre, c'est ce qu'elle allait te dire. Fais-toi un peu oublier. Tranquille avec ta fille. Déjà, tu n'as pas de problème d'argent, tout et tout. Même où tu vas, tu peux refaire ta vie. J'ai dit que moi, là, une femme, ton mari décède, on l'a enterré aujourd'hui. Si tu veux, tu te maries demain. Moi, je ne suis pas dans les vieilles coutumes archaïques où on dit non, tu dois faire le deuil. Tu dois... Je ne suis pas dans ça. Si on l'a enterré là, on a fait les petits trucs de la tradition à nous aller. Donc, je n'ai rien contre ça, ma fille. Mais seulement que. Prends ta vie en main. Regarde le bonheur de ta fille. Ne regarde pas. Tu peux même marier. Tu peux te mettre dans une relation avec quelqu'un même qui est connu, mais hors de la Côte d'Ivoire. Parce que les Ivoiriens, là, on a cette force-là d'élever quelqu'un en une journée puis te descendre toute une vie. Voilà. Donc, c'est pour ça que nous autres, là, quand on te voyait, tu étais trop sur les réseaux sociaux. Quand même, si même tu t'envoies un verre d'eau, les gens vont te prendre en partie. Comme si tu es la seule, si la terre ici, qui a perdu un homme. Vraiment, Yako, ma fille, Yako. Quand j'ai vu le poste hier, j'ai eu vraiment de la compassion pour toi. Mais si c'est pas ça, là, excusez-moi. Si c'est pas ça que ça devait passer, pour que tu puisses vraiment comprendre que tu étais en train de filer du mauvais coton. Cette façon où toi aussi, à tout moment, ton nom apparaissait dans temps en temps. Même pour, ça dit souvent, même pour des choses insignifiantes, c'est toujours Carmen, c'est toujours Carmen. Comme si tu étais la seule, vraiment, qui a perdu. Ça dit qu'un mari qui était une star. Yako, ma fille. Hé, Yako. Vraiment. Quand j'ai vu le post hier, ça m'a serré le cœur. Des gens, comme on ramenait même la vidéo, l'impacteuse. Voici ce que tu as dit. J'ai dit, j'avais dit ça. Mais quand j'ai dit, là, on dit, ah, elle est jalouse. Jalouse de quoi, maman? Quand vous me regardez là, j'ai-tu l'air d'une femme qui va être jalouse d'une fille que je peux accoucher?
Mais comme je dis, vos mentalités là sont très barricadées par moment. Et puis bon, on n'y peut rien. Sur ce, prenez soin de vous. Aujourd'hui, c'est l'Halloween. Vous me voyez déguisé. Attendez, je vais vous montrer mon déguisement. Très bien. Voilà, me voilà bien déguisé. Je vis ma vie tranquille au Canada avec mes enfants. En tout cas, Carmen, je te souhaite le bien. Là où tu es parti, que vraiment Dieu t'aide là-bas pour que tu puisses vraiment te reprendre en main. Tu mérites le bonheur comme toute femme. Tu as droit au bonheur. Tu es l'enfant de quelqu'un aussi. Donc, il faut que tu commences à connaître aussi le bonheur, la paix, la tranquillité, ma chérie. Vraiment, que Dieu te garde, toi et Rafna. Au revoir.